Mais taisez-vous donc! Mais qu'est-ce que c'est que cet immeuble? Et vous, enlevez-moi ce pot de champ de votre tête. Ville d'amour, j'y perds mon latin. Récapitulons. Vous prétendez avoir été séquestré. Où étiez-vous au moment des faits? Au premier, chez mon dentiste. C'est moi! Silence! Je parle à Ville d'amour. Ville d'amour, répondez précisément. Qui est à l'origine de votre séquestration? Précisément, bah, le chat. Le chat? Vous vous foutez de moi? Pauvre bête! Tout ça parce qu'il a jamais fait ses besoins sur le manchon de madame. Ouais, menteuse! Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je m'en fous. Elle l'a dit. Vous avez entendu, monsieur le commissaire? On se tait! Vite d'amour. Donc, vous avez été séquestré, puis vous hurlez à l'aide. Et alors? Moi, quand j'entends « délivrez-moi, délivrez-moi », j'accours. Et vous êtes? Madame Virtuelle, sage-femme. J'étais au second. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai voulu le détacher, mais il a perdu connaissance quand j'ai dit que j'allais dégager son orifice. Et il m'a ranimé à coup de pot de chambre, celui-là! Mais qui est-ce qui m'a fiché une bande de dégénérés pareille? Emmenez-moi tous ces sinoches chez les dingues. Je peux récupérer mon pot? À l'asile! À l'asile! Rompez!